Donc salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous apprendre rapidement avec des méthodes simples comment faire un bunny up. Allez, ça commence maintenant. Donc tout d'abord, le bunny up, ça sert à quoi? Ça peut vous servir à sauter par-dessus un obstacle qui encombre le chemin, comme un tronc d'arbre ou un trou. Et donc si vous faites un bunny up, ça vous permettra de ne pas poser le pied à terre, c'est plutôt pratique. Deuxième cas de figure, ça va vous permettre de mieux maîtriser le décollage lors d'un saut. Vous irez plus haut et vous aurez un meilleur contrôle de votre vélo. Troisième et dernière raison d'apprendre le bunny up, c'est que ça va vous apprendre à faire un manual. Première étape. Tu compresses la fourche, puis tu bascules ton poids en arrière afin de lever la roue avant, comme pour faire un manual. Si tu sais pas ce que c'est un manual, c'est ça. Deuxième étape. T'essaies de soulever ta roue arrière en tirant le plus possible sur les pédales avec tes pieds sans t'aider du frein avant. Donc si tu as réussi toutes les étapes depuis le début, tu peux passer à l'étape finale où tu essaies de sauter au-dessus du bâton sans le toucher avec tes pneus si possible, comme ça. Donc c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que toi aussi tu vas réussir à faire un bunny up. Si mes conseils t'ont été utiles, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour ne louper aucune vidéo. Allez, ciao !